Thank you, Holy Spirit. We well, bless your name, bless you, love you so much. Just want to praise you. We thank you, Holy Ghost. Voilà, nous sommes là avant euh, trois minutes avant 10 heures. Trois minutes avant 10 heures. Trois minutes avant 10 heures. trois minutes pour accorder à chacun l'occasion d'être là. Attends, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ. Ah, merci Jésus. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you, thank you, thank you Lord, thank you Lord. For your goodness, thank you Lord. Thank you Lord. Bonjour à Honorine Olympio. Bonjour à Laetitia il de Pondo. Ah, ça c'est des noms redoutables. Oui. Bonjour à Darren T. Madras. Oh, bonjour à et Esame. Esame, bonjour. Gracias Bissac. C'est Bissac. C'est bisak... Bonjour Olivier Mati. Bon arrivée. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons déménager le coin. Voilà, Korogo Shahé. Bonjour, bonjour à Clarinette Gankiko, Anik Jena, bonjour, Aïcha Bakayoko, ça c'est quoi du voir ou quoi Bakayoko, vous êtes où Aïcha Que Dieu bénisse. Rich Woru, God bless Françoise Mbongol, God bless you, Jesus est Seigneur, Jésus est Seigneur, amen, pas Jesus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Claudia Washington, Sombo. Non, vraiment, les noms ce matin, si c'est des noms, ouais, hein, tu sens des personnes qui sont décidées à entrer dans leur destinée. Voilà, que Dieu vous bénisse ce matin, service de lavement des mains. On va vous expliquer ce que c'est, service de lavement des mains en direct. D'abord, est-ce que vous me recevez bien Est-ce que le son, il est bien Jean-Christian, on regarde, d'accord. Vous savez, trop de polémiques, trop de polémiques dans l'histoire de l'Église, ici, là. Mais, pas à pas, nous faisons chaque chose, chaque chose en son temps. Nous faisons chaque chose. comme kom com être faite. Chaque gurami wa innas praviden wa annaluka ta taudelo idan wa anna aspramiden konorazo vilasmen ekchira idan gal falosmen erazo bilomi wa inas wa an dali voloka, biasman edaita filosman arut wa inas pirami valkor na udol sami krazen. Père, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit loué au plus haut des cieux. Seigneur, prends contrôle et manifeste ta gloire. Ce matin, manifeste ta gloire dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci pour le service de lavement des pieds. Merci parce que tu manifestes ta gloire et ton nom est glorifié au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. J'ai prié. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, connectez quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui est connecté, qui n'est pas connecté, envoyez la vidéo à la personne dite, à la personne qui aura un service de lavement des mains, pour l'ouverture des portes fermées, pour les grâces de Dieu. Et je vais expliquer ce que ça signifie, bibliquement. Parce que vous savez qu'il y a des bébés spirituels à qui il faut toujours expliquer ou réexpliquer les mêmes choses, euh, tous les jours et chaque jour. Donc, on va leur expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire Lavement des mains, c'est encore quoi Les gens vont dire non, bibliquement. Qu'est-ce que la Bible dit Non, sincèrement, il faut pas fatiguer les gens. Mais à cause de la longanimité de Dieu, je prendrai le temps pour vous expliquer ce que ça veut dire. Voilà, pour vous permettre d'être aussi informé. Vous savez que dans une salle de classe, ce n'est pas tous les élèves qui sont intelligents. Il y a des élèves qui sont très intelligents, d'autres sont moins intelligents, d'autres ne le sont pas. Donc, il y a des totaux en classe à qui il faut toujours... R expliquer les mêmes choses. C'est ce que nous allons faire. Donc, toute personne que tu connais qui éprouve des problèmes, des difficultés dans sa vie, dans ses projets, dans ses activités sur la Terre, nous sommes sur une Terre où il y a le combat spirituel. Et je crois au combat spirituel. Envoie ma vidéo à la personne. Envoie le lien à la personne. Dis-lui que le prophète de Cannes va prier pour les ouvertures des portes fermées. Il va prier pour que l'œuvre de nos mains soit bénie. Je vais expliquer pourquoi nous devons laver nos mains. On va comprendre pourquoi. Il faut comprendre la signification spirituelle de chaque chose. Le direct, je sera très dangereux. Je serai très direct. C'est un direct direct. Ça veut dire que je serai direct sur un certain nombre de choses. Je veux revenir sur un certain nombre de choses pour que les gens comprennent. Bon, moi je suis un prophète. Et en tant que prophète, nous nous marchons avec les signes. Nous servons le père des esprits des prophètes. Nous écoutons Dieu. Nous voyons Dieu. Nous entendons, ça dit la Kuo. Et puis nous agissons par les signes. Donc quelle que soit la malédiction qui est rattachée à ta main. Ce matin, le Seigneur, par le lavement des mains, va détacher cette malédiction de nos mains et nous rendra prospères. Une personne dont la main a été maudite, une personne dont la main a été sacrifiée, est une personne qui sera esclave toute sa vie. Donc, c'est un mystère que nous allons dénouer tout au long de cette semaine. Et ce dimanche, j'ai un grand culte avec service de lavement des mains à Réma. Donc, que tout le monde puisse être prêt pour cela. Et dimanche le 28, le culte de famille au palais des congrès, ici à Yaoundé, et le soir à 16h, à Douala, derrière l'immeuble Kamlai, ce sera aussi un service de lavement des mains. Tous les élèves, tous les enfants, les commerçants, les hommes d'affaires, nous allons vous cibler. Le Seigneur bénira tes activités. Toi qui vois que dans ta vie sentimentale, tes activités, tes affaires, etc., rien ne fonctionne comme cela devrait. Nous allons prier pour cela et Dieu se manifestera avec puissance. Donc, connectons nous s'il vous plaît, partageons la vidéo. J'ai commencé un peu tôt parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Voilà, ça c'est bien ça, mon fils. Voici le premier pose la question ce matin. C'est qui c'est Guksi? Oui, est-ce que dans la Bible, on lavait les mains Bonne question. Suivez mon direct. Je vais répondre à la question tout à l'heure. Donc, soyez patient. Suivez le direct, s'il vous plaît. Donc, taguez les gens pour ce direct et que le Seigneur vous bénisse. Faites-le. Partagez au monde entier. Tout le monde doit bénéficier du service de lavement des mains. Nous allons voir ce que ça veut dire. Quel est le sens spirituel Vous savez, le ministère, le caractère du ministère de Jésus-Christ était prophétique. Le ministère de Jésus est un ministère à caractère prophétique. Et ça fait en sorte que certaines personnes n'ont pas compris le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas compris Jésus. On l'a condamné sur un certain nombre de choses, mais c'est après que les gens ont commencé à comprendre lorsqu'ils ont eu accès à cette vérité. Vous voyez. Donc, quand Jésus-Christ a porté le pain, il a porté le vin, et là, c'est la sainte scène. Il dit que ça, c'est mon sang, c'est le symbole de mon sang, ça, c'est le symbole de mon corps. Il faut manger ma chair et boire mon sang. Les gens ont dit quoi? C'est un sorcier, ça, c'est encore quoi, ça? Parce qu'ils n'avaient pas encore vu ce genre d'opération. Ou lorsqu'ils mettaient ces crachats dans la bouche de certaines personnes, et les gens ne comprenaient pas ça. C'était bizarre, en réalité, mais ça avait une portée spirituelle. On appelle ça les actes prophétiques. On va revenir en profondeur là-dessus. Avant d'y arriver, euh, je voudrais d'abord apporter des points d'éclaircie sur un nombre de choses. Euh, je vais commencer par quelques questions d'abord. Voilà. Je pense que qui m'a envoyé, euh, qui m'a montré même le... Il y a un poste, il y a un poste qui a été fait. Il y a un poste qui a été fait, laissez-moi vérifier ça. Il y a un poste. Euh, j'ai discuté dernièrement avec euh, le prophète John Amdem. On a essayé de parler, on a partagé sur un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses euh, importantes. Et, oh, je ne sais pas sur ce téléphone-ci. Voilà. Et j'ai rendu grâce à Dieu par rapport à son dossier. En Côte d'Ivoire, il a été innocenté. <coughs> je ne sais pas si le prophète Martial est en train de me suivre. Un instant, je vais lui demander de m'envoyer euh, une publication sur un journal. Voilà, ça c'est le journal de Cyril Châtelain. C'est le journal, excusez-moi j'appelle. C'est le journal de Cyril Châtelain. Donc, dans le journal où il a titré, il a titré, euh, il a titré, euh, il a titré... De... Il a titré sur la justification du prophète Dienodok Kandem par rapport au problème que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Donc, ce journal en bas, en bas, il a mis l'huile de faveur. Allô uh -huh, C'est comment tu Bon, pardon. Le, le journal que tu m'as montré, là, la publication de Cyril Chatelain, celui de faveur, là tu peux me renvoyer ça sur mon WhatsApp, s'il si, te plaît. Et envoie-moi un peu ça. Donc, Cyril Chatelain a donc fait. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Cyril, Cyril Chatelain, hein, c'est le directeur de la radio euh, du docteur Djundokamdem. Voilà. Donc. Bon, moi, personnellement, je ne m'intéresse pas à ce que les gens font. Je ne m'intéresse pas du tout à ça, parce que je pense que je n'ai pas assez de temps pour moi même déjà. Je ne voudrais pas hum, accumuler un retard par rapport au programme de Dieu pour mon ministère. Donc, je ne m'intéresse pas. Si vous venez me demander quel est tel homme de Dieu, bien quel est tel homme de Dieu, est-ce que tu connais tel homme de Dieu, je vais dire non. Vraiment, je ne connais rien de ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est les gens qui m'apportent toujours des informations. Je me souviens que le docteur Jundok a m'a envoyé euh, cet extrait de journal. Et j'ai lu. Mais cependant, je n'ai pas vérifié. J'ai pas prêté attention. C'est pour Martial qui va tirer mon attention en me montrant encore ce journal-là. À ceux de Bertois, je serai à Bertois ce dimanche à partir de 8h, ancien SCT. Je serai là. Et je confirme. Je vous donne ma parole. Je serai là. Je serai là. Ancien SCT. Donc, à partir de 7h30, à Bertois ce dimanche, à Yaoundé, le service aura, de lavement des mains aura bel et bien lieu à, la bire, à partir de 7h30 toujours. Donc, ne manquez pas, ne dites pas que papa ne sera pas là. Donc, non, 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 non. Jésus-Christ est là. Il est, c'est sa maison. Il est gardien de sa maison. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais résoudre d'abord le problème ici. Je vais en parler de ça. Donc, ce prophète martial qui va, qui va me montrer le titre du journal de, de Cyril Châtelain. Et j'ai dit que pour ceux qui ne connaissent pas Cyril Châtelain c'est celui qui s'occupe de des de journaux la radio du prophète doc, euh, le docteur John donc voici ça voici la publication en bas ici voilà donc c'est ça il dit donc la plus grosse arnaque du siècle vente d'huile et eau dans les églises voilà Des crapules se faisant passer pour des pasteurs ont envahi les missions. Bon, c'est vrai, c'est très. Les missions décidées décident à l'adoration de la. Quoi là Bon, je n'arrive pas à lire ça. C'est flou. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est l'article que Cyril Châtelain a écrit. Donc, personnellement, moi, je pense que. Il faut que certaines personnes sachent. Que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Il faut que les gens comprennent cela. Et je pense qu'à l'époque, lorsque euh, hier déjà, quand le professeur Martial m'a parlé de cela, je lui ai dit que personnellement, je ne considère pas Cyril Châtelain comme un chrétien né de nouveau. Je ne le considère pas comme un né de nouveau, sincèrement. Donc je ne peux pas discuter. Avec lui, c'est à dire que je ne peux pas, on ne peut pas parler spiritualité avec lui, et je le dis avec de très bonnes raisons. Ça veut dire que parce que lorsqu'on dit que quelqu'un naît de nouveau, il y a des choses que la personne ne peut pas faire. Lorsque eh, fait mon épouse et retournée au Seigneur, il s'est moqué d'elle, il l'a insultée, il a insulté sa mémoire. Il a fait une émission sur elle pour l'insulter, qu'il croyait que les vendeurs d'huile ne meurent pas. Sincèrement, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a Christ en lui, ne peut pas être un haineux et un jaloux, c'est-à-dire un aigri. Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui est né de nouveau, moi je ne peux pas faire ça. Pourquoi À cause de la déontologie chrétienne, elle ne me permet pas cela. Je pense que même le docteur John Camden, s'était levé contre lui pour lui dire Mais ça, c'est insulter la mémoire d'une défunte, mais sincèrement, c'est un manque de, de maturité euh, terrible. Même les païens ne font pas ça. Et quelqu'un qui se dit être serviteur de Dieu se comporte de cette façon, mon ami, je ne peux pas le considérer comme un chrétien. Parce que le chrétien, ce n'est pas, pas les paroles, ce sont les actes, c'est le comportement. Donc il a insulté ma défunte épouse. Il a insulté carrément. Il a fait une émission, il s'est moqué d'elle et tout cela. Mais les gens oublient que ce qui tue le coq peut tuer le canard. C'est la même chose, ce qui tue le coq tue le canard. Il faut faire attention. Il faut que les gens comprennent. Tu ne connais pas comment ton demain sera. Tu ne sais pas si ta part sera pire que pour ton frère. De se moquer de quelqu'un qui a eu un malheur, c'est être bête. Et surtout en public. Parce que tu ne connais pas quelle sera ta fête. Moi, je dis que Cyril si Chatelain n'est pas né de nouveau. C'est quelqu'un je ne considère pas comme un chrétien. C'est cela que j'ai gardé le silence. Je ne le considère pas comme un chrétien. Je comme, je comme un chrétien. À l'époque, lorsque j'ai présenté émission, mon émission chez le docteur Jennifer Camden, je payais. Je payais, je pense, c'était 170 000, quelque chose comme ça. Pendant des mois, j'ai payé cet argent. Je payais, le mois n'était pas fini, que Sylvie Châtelain me rappelait pour me demander encore de payer. C'est un menteur. Si je parle, il va dire que non, il manque, que je manque, que ce n'est pas la vérité. Je lève mes mains devant le Dieu des cieux dont je suis le serviteur. Et je ne mens point. Et l'Esprit de Christ me rend témoignage et je dis ce qui est vrai, qui s'est passé. Le problème de Cyrus Châtelain contre le prophète et Canet Ferdinand, c'est lequel Des émissions tous les jours contre le prophète Canet Ferdinand, c'est monté, c'est descendu. Son problème, ce n'est pas l'huile. Cyrus Châtelain connaît quel est le problème qu'on a eu avec lui, que j'ai eu avec lui. Donc, je présentais l'émission dans la radio du docteur Djendokande à l'époque. Je n'ai pas de radio. Et donc, on payait 170 000 par mois. Donc, quand je payais, avant que la fin du mois n'arrivât, Cyril Châtelain m'appelait encore pour dire non, la radio a des problèmes, il faut payer s'il te plaît, tu peux payer à l'avance. Et je payais. Je payais. Je ne dois rien à la radio du docteur Jendor Kamdem. Je payais. Pendant des mois. Mais je ne sais pas qui a mis la puce à l'oreille du docteur Jendor À l'époque, il avait une fille là-bas, noire comme ça, avec qui je m'entendais aussi bien. Il a nommé à la radio, que okay? désormais c'est elle qui va contrôler les entrées de la radio. Peut-être parce qu'il avait découvert que Cyril Châtelain avait des malversations financières avec sa radio. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour j'arrive, il, il y a eu un changement dans la gestion financière de leur la, de la, de, 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 de radio. Quand j'arrive, donc Siri Chatelain me prend à l'entrée de l'église, il m'amène, il m'amène dans son bureau. Et quand il m'amène dans son bureau, il me dit ceci: Tu sais les Bamileke? Les Bamileke eux ne pense pas aux autres, ils pensent seulement à eux. Donc je travaille ici pour le prophète, je ne mange rien, je ne gagne rien. Nous là, on ne gagne rien, c'est lui qui mange tout. Et si je mens, vraiment, que le jugement de Dieu ne m'épargne pas. Si ce que je dis n'est pas vrai, si ce ne pas des paroles qui sont sorties de sa bouche, que le jugement de l'Éternel, mon Seigneur, ne m'épargne pas. Il m'a dit non. Il mange pour, tu sais, les Bamilicains ne pensent qu'à eux. Il investit pour lui et sa famille. Mais nous-mêmes qui travaillons, et tout, il m'a raconté comment le docteur Jennédor est allé le voir. Il travaille à Radio Bonne Nouvelle. C'est là qu'il a accueilli, il a mené comme ça. Ils ont fait le contrat, mais le docteur Jennédor Camden ne respecte pas son contrat avec lui. Et il m'a donc expliqué que si la fille-là, parce que le docteur Jennédor Camden a demandé à une de ses filles de venir contrôler maintenant que l'argent doit passer par là et qu'elle va me poser des questions. Elle va me poser des questions. Sur, est-ce que l'émission je payais depuis les mois où je passais à la radio? Elle m'a dit si on te demande, dis que je te faisais passer pour rien. C'est une faveur que je t'avais faite. J'ai dit à Cyrus Chatelain que je ne peux pas mentir. Vraiment, je ne peux pas mentir. Je sais que je paye 170 000 depuis des mois. Et si, ya, tu ne payais pas, tu ne reversais pas, j'avais les reçus. Tu ne reversais pas. Vraiment, c'est ton affaire. Avec ton patron là-bas. Mais je ne peux pas mentir. Parce que est écrit, tu ne te point d'un péché à cause d'un fils de ton peuple. Alors, voilà comment la jeune dame arrive. Donc, la jeune chérie, elle était même pasteur. Là-bas, j'ai simplement oublié son nom. Elle m'appelle à côté. Alors, après ce papier, quand, quand elle est venue, elle m'a demandé est-ce que tu payais tes émissions ici Depuis que tu fais, tu présentes des émissions ici à Dunamis. Est-ce que tu payais J'ai dit oui. Elle m'a demandé, je lui ai sorti les factures, les reçus que Siri Châtelain me donnait. Et elle m'avoue donc que Siri Châtelain ne reversait pas cet argent. Et c'est pour cela que le prophète Jindok Hamdem a décidé qu'elle maintenant, elle doit gérer tout ce qui passe à la radio, doit passer par elle. Et je crois de tout mon cœur que c'est là que ça a commencé. C'est là que Siri Châtelain s'est dit que non, vraiment, le gars, donc, il m'a livré, il ne m'a pas couvert. Je ne suis pas dans le micmac. Et une autre chose qu'il faut que Cyril Châtelain comprenne. Moi, je suis allé plusieurs fois ici à euh, passer la commande du poisson brisé. Euh, on appelle ça l'immeuble STV, je crois. L'immeuble STV. Nous garons, mes enfants vont. Ils passent la commande et on fait le poisson brisé. Plusieurs fois, Cyril Châtelain a avait les paillettes de boire la bière. siroter le whisky, les bières et tout ça. C'est pour ça qu'il dit que je ne le considère pas comme un chrétien. Nous, il y a des milieux où on n'ira jamais. Il c'est pour cela que j'ai parlé à quelqu'un hier, que tous ces jeunes hommes de Dieu qui me critiquent, disent que non, le pauvre Ekané Ferdinand, oh, il est orgueilleux, il veut montrer quoi, il est toujours enfermé sur lui, il veut montrer qu'il est supérieur à quoi, Oh, il dit Ekané, eh, parfois mais d'autres me disent Ekani. Eh, hein? Ekani, eh, non, 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 c'est Ekané, eh, s'il te plaît. Ekané, eh, insulte-moi, mais en bon français. Et si tu m'insultes, je peux pas me fâcher. Mais si tu m'insultes en mauvais français, je vais me fâcher, mon ami. Je vais me fâcher. Donc, ces jeunes hommes de Dieu, vous vous rassemblez, vous partez dans les bars, vous fêtez dans les bars, vous finissez vous allez dans les boîtes de nuit, vous m'avez déjà vu là-bas quand. Vous m'avez croisé où Dans un milieu sale, dans les boîtes de nuit ou bien dans les hôtels avec les femmes. Vous m'avez déjà vu où Qui est faux en réalité Qui est faux Faites attention. Et il faut que les gens comprennent une chose. J'ai été invité dans certaines églises et j'ai refusé de partir. Parce que le témoignage de cette église, si le témoignage d'une église n'est pas bon, je ne peux pas me mêler à ce qui est mauvais. Je ne me mêlerai pas à ce qui est sale. Non. Je me mêlerai pas aux faussetés. Donc je dis que Cyril Châtelain, pour moi, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Donc, s'il écrit des choses sur l'huile de faveur, et il faut que les gens comprennent une chose. L'église où il est, ça veut dire que à la cathédrale de la foi, il faut qu'il aille bien étudier, parce que ça, c'est la mauvaise foi. Il sait lui-même qu'on a déjà fait usage de l'huile dans des bouteilles données aux chrétiens. Et on m'avait donné un exemple de cette huile. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. C'est de l'hypocrisie. L'huile a été utilisée dans, à la cathédrale de la foi aussi. Ou oh bien il y a d'autres gadgets qui ont été vendus à la cathédrale de la foi. Il faut qu'ils se renseignent encore bien. Qu'ils se renseignent bien. Et ces choses là, il les connaît, mais il n'en parle pas. Je pense qu'il faut commencer par dénoncer ce qu'on vend On a vendu dans ton église d'abord. Maintenant, quand tu vas arriver sur l'huile, on va aussi te poser des questions, des questions fondamentales. J'ai dit une chose ça c'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. J'ai dit que ça c'est un bébé. Ça, c'est un bébé. Mais seulement qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont vu d'autres. Comment Dieu les a pris, Dieu les a élevés, et ils ont connu l'histoire de la personne. Dieu les a élevés. Si Châtelet recouvrait mes cultes quand j'ai commencé au ministère, avant moi de commencer, vraiment, quand j'étais aux assemblées de Dieu, il quittait Radio Bonne Nouvelle à l'époque. Il venait couvrir mes cultes les dimanches. Mais il fallait traîner avec son argent pour une heure de taille pour être appelé 20 fois. J'ai dit ce que moi j'ai vécu. Au moins 20 fois. Pardon, mon argent, le culte n'est pas fini. Tant que le culte finisse, qu'on fasse des dit Non, il faut l'argent. Normalement, quand ça arrive, mon argent doit être là. Donc moi, je dis que chacun connaît. Chacun connaît ses motifs d'être dans l'église. Mais vous devez comprendre une chose. Je suis un mauvais ennemi. Je suis un très mauvais ennemi. Et je pense que les gens se sont dit, non, on l'a vu ici vendre les CD dans nos églises. On l'a vu venir. Il pression lui donner 5 000, 25 000. Je ne suis plus le même homme. Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé mon statut. Et si Dieu établit quelqu'un au-dessus de toi, que tu as vu commencer devant toi, ou qui passait même chez toi mendier, mon ami, apprenez à reconnaître l'élévation qui vient de la main de Dieu. Vous ne pouvez pas combattre ça. C'est ça la vérité. Et j'ai toujours dit, j'ai dit au professeur hier que ce qui fait ma force face à mes ennemis au Cameroun, dans l'église du Cameroun, c'est que mon cœur est vrai. Il est pur devant le Seigneur. C'est-à-dire, je fais le ministère sans arrière-penser. Non, non. Je ne jalouse personne. Je ne cherche à mettre les bâtons dans les roues de personne. Donc, c'est pas des petits articles, des bêtises comme ceci qui peuvent faire quoi que ce soit sur le prophète, quand Ferdinand aujourd'hui. Il faut comprendre que où Dieu m'a mis, il m'a établi sur une forteresse. Il faut que les gens comprennent cela. Vous allez finir par accepter que Dieu prend l'indigent, le pauvre de la poussière de la terre du fumier, pour le faire asseoir à table, avec les grands du pays. Vous serez obligé d'accepter ça. Vous serez obligé. La destinée d'un homme n'est pas entre les mains d'un autre homme. Vous m'avez vu. Je suis venu à la cathédrale de la foi. J'ai prêché là-bas. J'ai été invité par le docteur Dinador. J'ai prêché à la cathédrale de la foi. J'ai prêché là-bas. Et ça, c'est que j'ai dit très sérieux. J'ai prêché à la cathédrale de la foi. Je pense j'avais fait deux jours de prédication. Et je pense c'était le, le pasteur Bayard, Bayard je crois, hein, si j'ai bonne souvenance. Le pasteur Bayard qui m'a accueilli. Et on a fait des quêtes aux fidèles. C'est-à-dire, on a dit que okay, l'homme de Dieu a prêché, on a été béni, que chacun vienne se connecter. Chacun vienne bénir l'homme de Dieu. L'église s'est levée. C'était à l'agence le Car. L'église s'est levée. Les gens ont cotisé, les gens ont donné les offrandes. Et j'avais emprunté, je vends de l'argent à une soeur qui m'accompagnait avec sa voiture. Et je lui avais dit que, comme je vais, quand je vais finir de prêcher, l'enveloppe qui me sera remise, je vais rembourser ton argent. Donc le deuxième jour, quand j'ai fini le programme, le, le, le pasteur Bayard, je crois bien, m'a mené dans une salle d'attente et puis on a causé. Il m'a dit au revoir. Il m'a dit au revoir. Je suis parti dans la voiture. La maman là me dit que je vois que... Tu es quelqu'un, tu, tu es lourd. Tu es lourd. C'est sûr que on t'a versé des centaines de mille. Je lui ai dit on ne m'a pas donné 5 francs. Et Dieu me témoigne on ne m'a pas donné 5 francs. Le jour là Bayam m'a expliqué que le prophète Jondokamda n'est pas là. Quand il va revenir, on va te donner l'argent. Mais on avait fait une quête en hein, mon nom. Je n'ai jamais revendiqué ça. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est la première fois que j'en parle. On ne m'a pas donné 5 francs. La maman, là, quand je lui ai dit qu'on ne m'a pas donné 5 francs, il pas, elle n'a pas cru. C'est longtemps après, quelques temps après, que j'ai croisé le prophète Junio dans son bureau. Il m'a reçu dans son bureau, euh, là-bas à Omnisport. On a partagé. Je pense que c'était la première rencontre. Et il m'a dit ah vraiment. On m'a dit que tu as prêché dans mon église, c'était bien. Les gens ont été bénis. Je m'étais dit merci. Et je pense qu'il a évoqué l'histoire des offrandes, l'offrande qui devait être remise. Je lui ai dit non non. Vraiment, je suis venu rendre ministère, j'ai apporté ma contribution et le reste là ça m'intéresse pas. Et il m'a dit waouh j'aime ton esprit. Et on s'est séparé. Ce que j'ai dit est vrai, il peut le témoigner lui-même. Donc, qu'est-ce que je veux dire Nous, nous faisons le ministère de tout notre cœur. C'est-à-dire que nous le faisons avec un seul cœur, nous le faisons avec passion, avec amour, avec conviction. Et j'ai dit que lorsque quelqu'un n'est pas tenu sur la vérité dans son ministère, son ministère ne subsistera pas. Donc, c'est là que vous vous rendrez compte que vous parlez, vous faites du mal, vous pensez me faire du mal, mais Dieu tourne toujours ça à ma faveur. Pourquoi Parce que je ne vous hais pas. Je ne vous prends pas pour ennemi. Donc, moi, je pense que. Je ne veux même pas dire que mon frère, euh, ce n'est même pas mon frère. Moi, celui que j'appelle mon frère, c'est celui qui part la même fois que moi. Celui qui en Christ, c'est-à-dire celui qui est en Christ et en qui on voit les œuvres du Saint-Esprit. La Bible dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Vous ne pouvez pas dire vous êtes enfant de Dieu. Tous les jours, vous insultez les gens. Vous insultez à, 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 en plein direct, vous insultez la mère de quelqu'un, la maman de quelqu'un. À bagarrer avec quelqu'un, si on te chope, là tu peux insulter, mais tu dis, moi il peut me sortir, je te tape ça c'est quel chrétien ça. Donc pour moi, Cyril Châtelain c'est pas un chrétien. C'est pas un niais de nouveau. Ça, donc je n'ai pas le temps à parler avec lui. Donc, qu'il réponde d'abord aux questions de son église. Ce qui s'est passé dans son église, ce qui a été vendu dans son église, qu'il essaye de répondre d'abord à ça, qu'il dénonce ça. Qu'elle va finir de dénoncer, je lui répondrai sur lui de faveur. Donc je te bénisse. On a souvent Jésus. L'église ne peut pas fonctionner toujours avec les hypocrites. Non! Vous pensez que Dieu est un homme, on ne bute pas Dieu, Dieu ne, ne se laisse pas buter. Lorsque Dieu se rend compte que dans une génération, les gens ne veulent pas écouter sa voix, il suscite ceux qui sont dociles, il suscite ceux qui ont la volonté de lui faire plaisir, de lui plaire. Et il est loin. Et ceux qui pensent qu'ils sont incontournables ou qu'ils ont monopole, personne n'a le monopole dans l'église. Dieu peut utiliser qui qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Donc il faut que les gens acceptent ça. Finalement, le prophète et Canet Ferdinand a été établi par Dieu, que tu le veuilles ou pas, c'est ton problème, c'est ton affaire. Mais mes œuvres, c'est elles qui vous répondront. Toujours. Mes œuvres vous répondront. C'est ça. Il faut que les gens comprennent. Tu ne peux pas faire le ministère avec la jalousie, avec la haine dans ton cœur et tu prospères. Ton ministère est la rémanence, la réminiscence, la réverbérance et le reflet de ton cœur. Ton cœur. Ton ministère est à l'image de ton cœur. Et il faut que les gens comprennent une chose. Le peuple que nous dirigeons, ce n'est pas les moutons, ce n'est pas les animaux. Ils voient. Ils ont une conscience pour juger. Ils savent. Ils savent qui est vrai, qui est faux. Mais le faux ne se cache pas. J'ai reçu un de mes fils. Je vais revenir sur ça peut-être sur mon direct demain. Un de mes fils qui sort d'une église. où On fabrique les prophéties. On lave les femmes. Il est venu tomber à genoux hier. Que je dois prier pour lui. Que je dois prier pour lui. Il dit que dans son église là... Quand une femme arrive avec le sac à main, le pasteur demande à ses de voler sa carte d'identité. On vole la carte d'identité. Dimanche, quand tu arrives, le pasteur te dit, reviens dimanche. Dimanche, il te dit, où est ta carte d'identité? Tu fouilles ton sac. Il y a rien dedans. Et il prie, il fait comme si prophétise. Il dit que, prends ma chaussure. Prends la chaussure ici. Allez, ma chaussure, tu enlèves la chaussure, tu trouves ta carte là-bas. Pourtant, il a volé ta carte. Je vais revenir sur ça demain. Et c'est ce genre d'homme de Dieu qui nous condamne. Dans tous les cas, la Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure. Avec ses paroles qui lui servent de sceau et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, le service de lavement des pieds, c'était une parenthèse. Le service de lavement des pieds. Des mains, on va laver les mains. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure que est-ce que le lavement des mains était dans la Bible? Bien aimé, lorsque si vous voyez un homme comme moi venir et parler en public. <laughs> J'ai discuté avec le Jean dans l'autre jour. Il m'a dit quoi Il m'a dit ceci. Il m'a dit que le prophète de C'est ce que je te dis, je le dis en toute vérité devant le Seigneur. Pour moi, au Cameroun, tu fais partie des hommes de Dieu qui sont calés dans la théologie, dans la maîtrise des saintes écritures. Donc, lorsque tu veux m'attaquer en ce qui concerne la Bible, il faut bien réviser d'abord toi-même ta Bible et tu viens. Moi, je suis un ex-musulman. Ça veut dire que nous, la lecture de la Bible n'est pas un combat, comme chez les chrétiens, n'est chrétiens. Chez nous, c'est une passion. Nous mémorisons, nous salmodions. Je la récite en hébreu, je la récite en grec, je la récite en français, je la récite dans mon patois, dans ma langue. Je la récite comme tu veux et comme tu ne veux pas. Donc, la Bible, pour moi, c'est un livre auquel mon âme est attachée. Et les doctrines fondamentales bibliques sont ma passion. Donc, lorsque je me mets en direct et je dis quelque chose, je dis service de telle chose. Avant de combattre, il faut d'abord revenir. Tu reviens, toi-même, tu t'assois, tu te demandes Est-ce que je maîtrise le sujet Je vais attaquer cet homme. Est-ce que je maîtrise le sujet Donc, le tout n'est pas de lire la Bible, mais d'avoir une compréhension succincte et clairvoyante des Saintes Écritures. C'est ça la réalité. Il faut comprendre ce que tu lis. Et j'ai expliqué une autre chose c'est que pour un chrétien ou un homme de Dieu qui lit les Saintes Écritures, et qui n'a aucune maîtrise du grec et de l'hébreu, en réalité, il perd au moins 75% du sens du texte biblique. 75% du sens. C'est volé, ça se volatise comme ça. Tu as perdu ça. Donc maintenant, nous revenons. Le service de lavement des pieds ou des mains était d'abord une habitude en Israël. Ça veut dire que avant même que Moïse n'arrive, avant que ça ne devienne une loi, parce que le service de lavement des mains et des pieds a existé sur trois dimensions. La première dimension, c'est... La, la, la période post mosaïque Ça C'est-à-dire que la période euh, post-mosaïque, c'est la période avant Moïse. Après, en Moïse, en Exode, il y a eu maintenant une légalisation et une signification spirituelle au service de lavement des mains et des pieds. Et puis, Jésus-Christ est arrivé. Et il a complété avec le service le lavement des pieds. Maintenant, on va regarder ces trois dimensions. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Quand vous lisez, par exemple, dans Genèse, 18, le verset 4. La Bible dit Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Dans Genèse 24, 32, l'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Genèse 43, verset 24. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Dans le service de lavement des pieds était déjà une habitude chez les Juifs avant même que Moïse n'arrive. C'était une façon d'accueillir son étranger. C'était une bonne façon. C'était une bienséance dans tous les cas. Il était bienveillant lorsque quelqu'un arrive comme un étranger chez toi, que tu commences par lui donner de l'eau, mais en réalité c'est eau. Il n'avait pas seulement les pieds. Quand on va laver les pieds sans avoir laver les mains. Il se lavait les mains, il avait les pieds, il avait aussi la face. Donc c'était une image de ce qui, à l'ère mosaïque, devrait définir des ablutions. Là, c'était naturel, on accueillait les gens. Et aujourd'hui, dans l'islam, ça a été copié du judaïsme. Hein? C'est que les musulmans font, l'ablution a été tirée des Saintes Écritures de la Torah, en réalité du Pentateuch. Précisément. Et la Bible dira dans Exode, quand Moïse va arriver, 30, verset 19. Avec laquelle Aaron, parlons de cette eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Donc ici, la Bible parlera d'une cuve. Ils ont montré même ça. Disons, verset 18. Tu feras une cuve d'airain, avec sa base d'airain, pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, maintenant, ce que nous faisons, c'est différent de ce qui s'est passé au niveau de la Torah. Parce que avant la Torah, c'était l'accueil. C'était pour bien accueillir son étranger. Quand tu avais un étranger chez toi, tu le recevais avec de l'eau parce que c'était le désert. C'était était un pays désertique. Donc il, il, tu apportais de l'eau, il se lavait les mains, il se lavait les pieds, il avait la face et tout cela. Donc c'était une manière d'honorer un invité. Mais quand Moïse arrive, cette habitude qui avant Moïse était une habitude familiale pour honorer les invités ou bien les étrangers est devenue un acte religieux. Un acte religieux. Un acte religieux qui symbolisait la protection. La protection, ça veut dire le lavement des pieds et des mains, c'était une purification, une sorte d'épuration. C'est un symbole d'épuration qui disait que la souillure a été lavée pour que le sacrificateur en s'approchant du tabernacle ou en s'approchant de l'autel ne soit pas tué par Dieu. Donc celui qui ne le faisait pas s'exposait à la mort. Alors voilà ce qui s'est passé dans le temps de Moïse. Donc c'est devenu un acte religieux. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il en fera un acte prophétique et spirituel. Il en fait un acte prophétique et spirituel. Donc avant Moïse, c'est un acte familial de bienséance, de bien accueillir quelqu'un. À l'époque de Moïse, c'est un acte religieux. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, ça devient un acte spirituel et prophétique. Jean chapitre 13. La Bible dit ceci. Il se leva de table à partir du verset 4. Bon, Jésus, qui savait que le Père avait permis toutes choses avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Et vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit... Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Beaucoup de personnes combattent ce qu'ils ne comprennent pas. Et un jour, finalement, ils le comprennent. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. S'il vous plaît, envoie des likes. Simon, Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds. Mais encore les mains et la tête. Vous comprenez? Mais encore les mains et la tête. Donc, pour comprendre, pour dire que Simon connaissait déjà comment les ablutions se passaient. On se lavait les mains, les pieds et la tête. Jésus lui dit celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur, mais non pas tous. Alors maintenant, l'acte prophétique et spirituel que Jésus-Christ apporte aux apôtres. Quel en était le sens? L'explication, c'était quoi? Pourquoi Jésus-Christ a lavé les pieds de ses apôtres? Pourquoi Pierre a revendiqué aussi les mains et la tête? Parce que c'était ce qui était usuel dans la société à l'époque. Alors maintenant, comprenons pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Il y a plusieurs sens spirituels qu'il faut retenir de cela. Plusieurs actes. C'était un acte prophétique à plusieurs références, c'est-à-dire pluri, pluri Premièrement, Jésus leur enseignait une leçon d'humilité. Ça, c'est la première portée spirituelle. C'est-à-dire que, que celui qui est grand devient le serviteur de ses frères. Il fallait laver les pieds. Laver les pieds, c'est se supporter, c'est servir les autres. Donc, il fallait qu'on se serve. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Chacun doit s'humilier pour servir les autres. Donc, c'est cette valeur d'humilité et de service que Jésus-Christ leur enseignait. Par ce lavement des pieds. Maintenant, l'acte prophétique, c'était quoi Laver les pieds, c'est quoi Les pieds représentent quoi Les pieds, c'est avec ça qu'on marche. C'est avec ça qu'on visite les nations à l'époque, on voyageait à pied. Donc il est d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, à pied. Et il y a une parole euh, des de, 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 de prophètes qui dit, tout lieu que fouleront les plantes de tes pieds, je te le donne en possession. Donc ça veut dire que spirituellement, là où mes plantes vont, cet endroit m'appartient. Alors le lavement des pieds que Jésus-Christ a fait aux apôtres, était pour leur donner possession sur les territoires où ils iraient avec l'évangile. Donc, c'était ça, la portée spirituelle, cet acte-là. Pourquoi? Parce que, euh, tu peux aller voyager, 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 mais cependant, échouer dans ton voyage. Donc, Jésus a lavé leurs pieds pour les séparer de toute malédiction, toute forme de limitation spirituelle, de toute, de toute sentence contraire à la possession des territoires qu'ils visiteraient parce que Jésus savait qu'il les enverrait par toutes les nations pour faire des nations éligibles. De Donc il fallait d'abord qu'ils lavaient leurs pieds pour les libérer maintenant vers les nations pour qu'ils possèdent toutes ces nations. Et nous voyons que cet acte prophétique aujourd'hui est responsable de la répansion de l'Évangile dans le monde entier en sorte que le christianisme est la première religion au monde aujourd'hui avec plus de deux milliards d'adeptes dans le monde entier. Pourquoi à cause d'un service de lavement des pieds qui a donné aux apôtres de posséder la terre? Il n'y a pas une nation au monde où on ne connaît pas Jésus. Où on ne connaît pas les apôtres. Où on ne connaît pas l'évangile. Aucune nation. Même les nations comme l'Arabie saoudite, il y a des chrétiens cachés là-bas. Il n'y a aucune nation au monde qui ne connaît pas Jésus. Aucune. Où il n'y a pas une Bible. Aucune. À cause d'un actes prophétique fort. Dieu leur a donné possession et quand tous ceux qui ont participé à cet acte prophétique ont été des maillons forts pour la répansion de l'évangile dans le monde entier. Ils ont possédé toutes les nations vers lesquelles Dieu les a envoyés. que qu'étaient les montagnes, ils ont renversé ces montagnes. Pourquoi? Parce que leur Seigneur avait lavé leurs pieds. Donc c'est un peu ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc leurs pieds étaient puissants. À partir de ce moment, leurs pieds avait une alliance. Il y avait une alliance rattachée à leurs pieds. Et quelqu'un a expliqué que euh, tout à l'heure en commentaire et, et je corrobore, euh, je corrobore euh, avec euh, avec euh, cette personne là, c'est que quand leurs pieds sont lavés et Jésus va leur dire si vous partez quelque part et puis la terre ne vous reçoit pas, secouez la poussière, secouez la poussière de vos pieds, de vos chaussures. c'est-à-dire de vos pieds en réalité. Et ça veut dire que si vous secouez la poussière, une maison ne vous reçoit, euh, reçoit pas. Vous secouez la poussière de vos pieds là. Ça dit que la maison là sera condamnée au jour du jugement. C'est ce que Jésus leur dit. Elle sera condamnée. Elle ne sera pas épargnée. Maintenant, pourquoi le service de lavement des mains Les pieds représentent la possession des territoires. La main représente le travail. La main représente ta destinée. Le travail de ta destinée. Il y a des gens, je l'ai dit je le répéterai toujours, qui travaillent comme des éléphants. Qui n'échouent pas parce qu'ils sont paresseux. Il y en a qui échouent dans la vie parce qu'ils sont paresseux. Mais lorsque tu te bats, tu travailles, tu es un travailleur, mais rien ne marche. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Et c'est où l'acte du lavement des mains est important. Je pense à Wina Chapel aujourd'hui. Papa David Oye je pense par moi, ils ont un service de lavement de pieds dans toutes leurs églises. On lave les pieds des fidèles. Parce qu'il a compris la révélation. Pour que son église possède le monde, et nous connaissons ce que Wina Chapel représente aujourd'hui. Donc il a compris la révélation du lavement des pieds, du mystère du lavement des pieds. Maintenant, il le pratique depuis des années et Wina Chapel prend les possessions du territoires. Nous, on ne comprend pas ça. Qu'est-ce que ce papa a compris? Qu'est-ce que Dieu lui a montré dans ce service de lavement des pieds, dans cet acte prophétique qu'on utilise à Wina Chapel depuis des décennies? Donc, le service de lavement des mains, c'est pour que la malchance rattachée à ta main soit brisée. La malchance parentale, les malédictions de la maison de ton père et de ta mère qui font que tout ce que tu fais échoue. Les échecs, les répétitions, la vie qui est un éternel recommencement, toutes ces choses-là, par le service de lavement de la main, nous allons détruire ça. Je parle aux commerçants, je parle aux hommes d'affaires, je parle aux étudiants, je parle à celui qui cherche le mariage, je parle à celui qui cherche le travail, je parle à celui qui se bat dans la vie et qui veut être béni. Le service de lavement des mains est pour toi. Il est pour toi. Il est important. Il y a des actions fortes. Que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, qui nous ouvre la voie de la grâce. Il y a des actes, c'est-à-dire, il y a des, 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 des problèmes dans ta vie que la prière ne résout pas. Il y a des problèmes que le jeûne ne résout pas. Il y a des problèmes que c'est des actes prophétiques forts qui résolvent. Et je crois en une chose toutes les familles dans nos églises, pendant ce mois, qui viennent dans nos églises, tous les dimanches, nous avons servi au lavement des mains. Dimanche passé, on l'a fait. Et je sais que Dieu est en train d'ouvrir des opportunités. Et dimanche le 28, nous voulons recevoir vos témoignages. Parmi, c'est-à-dire ces témoignages de lavement de mains. Tout à l'heure, on va prier. Je vais prier avec toi. Mais je veux que tu comprennes une chose. Prépare ta bouteille d'eau. Je vais prier avec toi pour le lavement des mains. Mais il faut comprendre une chose. Lorsque nous nous lavons les mains, lorsqu'on lave les mains, comme nous faisons pendant le direct, vous devez savoir que c'est différent de lorsque tu laves les mains à l'église. Je répète encore. Et je vais dire à tous mes auditeurs, tous mes téléspectateurs, s'il vous plaît, il y a plein de réseaux de prophètes Cané Ferdinand, de faux comptes en mon nom, qui vous demandent l'argent, qui vous vendent l'huile de faveur en direct, en ligne sur Facebook, etc. Les, 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 les mouchoirs, moi et tout ça, on ne fait pas ça. C'est des arnaqueurs. Je répète, nous ne vendons rien sur Facebook. L'huile de faveur est dans nos églises. L'huile de faveur ne s'expédie pas. C'est dans nos églises. place dans nos assemblées. Donc, l'huile de faveur, ce n'est pas sur Facebook. Méfiez-vous. Tous ceux qui me demandent l'argent, qui expédient l'argent, envoyez l'argent pour telle chose. Envoyez l'argent pour telle chose, on va vous envoyer telle chose, on va prier pour vous. Ce n'est pas moi, c'est pas le prophète Carré-Ferdinand. C'est des arnaqueurs. Méfiez-vous. S'il vous plaît, répétez-le à tous ceux que vous connaissez. Faites des annonces. Aidez-nous à faire des annonces. C'est des arnaqueurs. Maintenant, lorsque nous allons faire ce service de lavement des mains, Dieu va te bénir dans toutes tes activités. Quel est le domaine de ta vie où tu attends que Dieu te bénisse, qu'il te touche? Dieu se manifestera. Dieu se manifestera avec puissance et avec autorité. Maintenant, il faut comprendre une chose. Ne dis pas que non, comme on lave les mains à la maison, c'est bon, c'est suffisant. Non, si tu peux venir à l'église, viens. Parce que là-bas, la grâce qui est déversée est encore supérieure. Il faut que les gens comprennent cela. Et dit, il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. C'est l'église. Car c'est là que Dieu déverse la vie, la bénédiction pour l'éternité. Il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, passons à un autre passage dans la Bible. Quand on dit Zacharie 14, verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ça c'est un verset biblique qui fait frémir. La Bible dit que s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, au temple, pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc, lorsqu'il y a des cultes, il est important de venir avec ta famille pour que la pluie de grâce et de bénédiction tombe sur toi. La Bible dit que une famille qui se prive d'aller à l'église, d'aller au rassemblement, à la convocation solennelle et sainte que l'Éternel donne pour son peuple, est privée de la pluie de bénédictions dans sa vie et dans sa famille. Donc il est important que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Maintenant, que chacun dise dans quel domaine il veut que la main de Dieu intervienne pour le service de lavement des mains que nous allons avoir toute cette semaine. Et dimanche, viens avec ta famille dans la communion fraternel et nous allons faire ce service ensemble. Bertois, je serai là pour le service de lavement des mains. Viens avec ta bouteille d'eau. Viens avec ta bouteille d'eau et je veux prier avec toi directement, Bertois. Donc nous voilà Alberto, allah tu vois là-dedans. Dame de Dieu, libérez Tamindorena Mon. On va en doute des anciennes ST quartier fatou de Mokolo Mokolo 1. allah Mon Mettez-moi le sujet de prière. Je veux commencer la prière tout à l'heure. Euh, qui est là? Qui est là Donne-moi l'achète la, là. Voilà, je vois mariage. Flore et bouc, qui dit mariage et commerce. Donne-moi l'eau là. Mon concours. Liliane Akon. La santé et le travail, s'il te plaît, donne-moi le sujet de prière. Tu peux prendre ta bouteille d'eau Moi j'ai mon eau et j'ai ma. C'est quoi ça On appelle ça quoi Mon achète C'est quoi Mon achète Hein une cuvette, une petite cuvette. Voilà. Une petite cuvette. Que Dieu te bénisse. Voilà. Prends ton nom, nous allons prier. Je veux prier sur ton nom. Et voilà. On a Kelly qui dit Vie sentimentale. Claudia Washington, mon boulot, ma promotion. Amen. Amen. Toute malédiction dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui est en train d'entacher ta destinée. Nous allons la briser sur tous les plans. Il y a qui encore Quel plan Rapidement, Cécile. Cécile, Asaga, mes finances, mon héritage, ma santé, Amen. Claudia Washington, euh, on a Valérie, ouverture dans les affaires, Amen, d'accord, c'est bon. tu Tchunga, partagez la vidéo, s'il vous plaît, nous voulons prier. partage la vidéo. Dans ma vie de prière sentimentale, Amen, la porte va s'ouvrir. Promotion boulot, la paix dans mon foyer. Là, c'est Claudia Washington, d'accord. Marie Ngotep, je veux le travail, d'accord, Marie, que Dieu te bénisse. Borel, mon travail et mes finances, Borel Kandem, Amen. Hélène Vanessa, le travail et le moyen pour me marier. D'accord. Que Dieu vous exauce. Christelle Fosso, domaine du mariage. Amen. Qui a ça, son nom déjà? Nous allons prier au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, je prie que ta main soit étendue, puissante. Que ta main soit étendue et puissante, mon Dieu. Partout dans le monde entier où ce direct est en train d'être regardé maintenant. Père, je prie que ta grâce entre. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu te manifestes. Quiconque lavera sa main ce matin, en direct ou en différé, Seigneur, que les opportunités se multiplient dans sa vie, dans sa vie, dans sa vie et dans tous les domaines de sa vie, dans le nom précieux souverain de Jésus. Que le malades soit guéri, que les opportunités se multiplient, que les portes fermées s'ouvrent, que la sorcellerie soit détruite, que ceux qui sont sous des malédictions soient délivrés immédiatement. Ceux dont les mains ont été maudites, qui travaillent, qui ont l'intelligence. Mais ça ne sorte pas. Seigneur, que leurs jours soient brisés, Que les chaînes soient brisées. Et que la paix, la joie, la prospérité, le succès, la réussite, la richesse, leur soient abondamment communiquées. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, merci au nom souverain de Jésus. Voilà, tu peux verser cette eau dans une cuve. Ou alors, tout simplement, laver les mains, comme je fais. Au nom souverain de Jésus. Père, comme je lave mes mains, mes mains sont bénies. Mes mains sont pures. Ma vie est bénie. Ma vie est pure. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les malédictions sont brisées. Les limitations sont brisées. Les blocages sont brisés à partir d'aujourd'hui. Seigneur, tout ce que ma main touche prospère. Tout ce que je plante prospère. Seigneur, la fertilité est dans ma vie. L'onction de fertilité, l'onction de fécondité est dans ma vie. Seigneur, l'échec n'est plus mon partage. La honte n'est plus mon partage. La limitation n'est plus mon partage. Comme je lave mes mains, je me sépare des malédictions parentales et ancestrales dans la lignée paternelle et maternelle, dans le nom de Jésus. Seigneur, par cette eau, je suis distingué. Par cet acte prophétique, je suis distingué. Toute malédiction de citadine crevassée dans ma vie est anathème, dans le nom souverain de Jésus. Père, maintenant les mes mains qui sont trempées vers toi. Je prie dans le nom de Jésus. Touche ton écran. Tenez ça. Touche ton écran ou bien ton téléphone, ou ton laptop ou ta tablette. Je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel assainisse les eaux amères de ta vie. Qu'il assainisse les eaux amères de ta vie. Comme l'eau purifie la terre. Que cet acte prophétique purifie ta vie et ta destinée. Tout ce qui ne fonctionnait pas. À partir de maintenant, je déclare et je prophétise que ça fonctionne. Dans ta vie sentimentale, ça fonctionne. Dans tes affaires, ça fonctionne. Dans ta santé, ça fonctionne. Dans tous les domaines, de tes entreprises. Ça fonctionne. Tes projets, ça fonctionne. Ton travail. Ça fonctionne. Dans le nom souverain de Jésus. Les portes de ta vie sont ouvertes. La faveur vient. 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 La, faveur vient. La, faveur vient. La grâce vient. Au nom puissant de Jésus. Toi et ta maison est arrosée par la pluie de sa grâce. La pluie de sa grâce. La pluie de sa grâce. Au nom de Jésus. La femme stérile devient fertile. Tout mariage stérile devient fertile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que servir le lavement des mains. La fécondité vient sur toi. Je déclare qu'avant la fin de cette journée, un miracle puissant se manifeste dans ta vie. Tes yeux contempleront un miracle puissant dans les concours, les dossiers déposés, dans le marché public en Europe où tu as déposé des dossiers, des documents. La faveur, la faveur, la faveur. dis Amen en commentaire, s'il te plaît. La faveur. Envoyez les cœurs et les pouces pendant que je déclare, je prophétise. Quand tu envoies les cœurs et les pouces à tu dis Amen. Et cette parole te localise au nom de Jésus. La faveur, la faveur, la faveur. La grâce, la faveur et la grâce, la faveur et la grâce, la faveur et la grâce. Sur le plan marital, la faveur et la grâce. Que Dieu assainisse ta vie sentimentale. Qu'il éloigne de toi les voleurs, qu'il éloigne les bandits. Donnez-moi l'eau, je trempe mes mains encore. Je veux prophétiser les mains trempées dans cette eau bénie. Au nom de Jésus, cette eau sanctifiée. La grâce au nom souverain de Jésus, la fertilité. Dans ta vie sentimentale, j'éloigne de toi les mauvaises personnes. Les voleurs de temps, les voleurs de destinée, les voleurs d'étoiles, au nom de Jésus, dans ton ministère, dans tes projets, dans tes activités, comme ma main, ma main est trempée, ta vie est arrosée, ta vie est arrosée, ta vie est arrosée de grâce, ta vie est arrosée de bénédiction, ta vie est arrosée de prospérité, ta vie est arrosée de santé. Je prophétise le mariage, je prophétise le mariage. Toi qui as connu les déceptions sentimentales, Sors de ces déceptions, donne-moi l'eau, donne-moi cuve. Sors de ces déceptions. Au nom de Jésus, sors de ces déceptions. Sors de toute déception sentimentale. Toi dans la famille duquel on ne voit pas de mariage, de vrai mariage. Je ne parle pas de mariage qui est comme une prison. Au nom de Jésus, par ce service de lavement de main, ta main est lavée de cette malédiction de célibat. Au nom puissant de Jésus, ton cas sera différent. Que ton cas soit différent. Que ton histoire soit différente. Ton mariage est béni. Arrosé de grâce. Arrosé de bénédiction. Dans le nom souverain de Jésus. Celui qui dit Amen. Envoie les cœurs. Envoie les pouces. Bleu. Reçois son miracle. Dans le nom souverain de Jésus. Je prophétise. Sur toute personne qui se bat dans la vie. Mais ça ne va pas. S'il te plaît, bien-aimé. S'il te plaît. S'il te plaît. Donne-moi la cuvette. Au nom de Jésus de Nazareth. Trampe tes mains dans cette eau sur laquelle je priais. Au nom de Jésus. Prospérité sur toi. Prospérité sur toi. Sors de l'obscurité. Sors de la sorcellerie. Où tu as été attaché. Où ta vie a été embrigadée. Sortez. 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 Sors de l'échec. 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 Je prophétise une circonstance d'élévation. De miracle dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Pendant que je parle. Les anges de Dieu sont en train de se manifester. Si tu es en Europe, tu as des documents quelque part. Tu cherches la nationalité. Ou bien des documents pour le mariage. Ou pour le travail. Au nom de Jésus. Reçois la grâce pour, pour réussir. Reçois la grâce pour réussir. J'appelle la faveur. La faveur dans ton dossier. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Cette semaine, ce mois de lavement des mains, sera un mois de visitation divine pour toi et ta famille dans le nom puissant de Jésus. On t'appellera. On t'appellera. On t'appellera. Je libère des contrats. Des hauts contrats dans ta vie. Des hauts contrats dans ta vie. Avant la fin de ce mois d'août, qui est le mois de la gloire. Que la gloire de Jésus-Christ te localise. Que sa gloire te localise. Que sa gloire te localise dans le nom puissant de Jésus. Toute malchance. Toute malédiction. Toute limitation dans ta vie. Dans tous les domaines, dans tous les diapasons, je les brise au nom puissant de Jésus. Je les brise au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta vie est différente. À partir de maintenant, ta vie prend une autre tournure, une tournure divine. La gloire de Jésus explose dans ta vie. Ceux qui t'ont insulté, ceux qui se sont moqués de toi ne te reconnaîtront pas dans le nom précieux et souverain de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui partageront cette vidéo au nom de Jésus, que ta grâce soit sur leur vie et je prie pour ceux qui s'abonnent aujourd'hui pour tous ceux qui vont s'abonner c'est-à-dire avant le coucher du soleil avant 18h Père que la double portion de toute parole prophétique proclamée pendant ce direct leur soit donnée après leur abonnement que miracle puissant s'attache à leur vie immédiatement dans le nom souverain de Jésus de Nazareth mon père et mon seigneur merci parce que tu es vivant Merci parce que tu m'exhaustes dans le monde entier. Glorifie ton nom. Si vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît. Faites tout pour être abonné avant le coucher du soleil. Abonne-toi. C'est-à-dire que dès que je finis, abonne-toi immédiatement. Et Dieu te surprend. Dieu te surprend. Dieu te surprend. Dieu te surprend. Que Dieu te surprenne. Le domaine où tu attends la visitation divine là. Que Dieu te surprenne là-bas. Dans le nom souverain de Jésus. Je déclare que tes ennemis deviennent ton marchepied. S'il te plaît, dis Amen. Dis Amen et Dieu te met au-dessus d'eux. Tous ceux qui t'ont minimisé, ceux qui t'ont limité, ceux qui t'ont méprisé, je prophétise qu'ils deviennent ton marche-pied au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Au nom précieux de Jésus. Tous les habitants de Yaoundé, vous savez, on a un grand programme de réveil. De réveil, de brisement, de limitation spirituelle pour entrer dans ta gloire. À la bille. Le programme est supposé commencer aujourd'hui. Mais il va commencer plutôt demain. Donc le programme ira de mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. De passer l'annonce autour de vous. Le programme de réveil à la bille. Cette semaine ne commencera pas ce mardi. Il commence mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Au lieu de quatre jours, ce sera trois jours à la bille. Tous les soirs à partir de 17 heures. J'attends ta famille à la bille. Dieu se manifestera sur le mois de la gloire. Viens prendre ta gloire. Si tu restes à la maison, n'accuse personne. Après cela, c'est une opportunité spéciale que Dieu est en train de te donner. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Je vois des miracles extraordinaires se produire, des miracles puissants se produire. Avant le coucher du soleil, ceux qui vont s'abonner à cette page seront surpris. Vous saurez que vous êtes abonné à la page d'un prophète. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus. Demain, service au lavement de la main. Crois en Dieu. Crois que Dieu est ton Dieu. Le Dieu des impossibilités. Et tu verras de tes yeux la gloire de Dieu dans ta vie avant la fin de cette semaine et de ce mois. L'éternel se manifestera, s'il te plaît. Connecte tes enfants. Dis-leur qu'il y a un service, un prophète qui fait un service de lavement. Demain, en direct. Et demain, je veux prendre quelques personnes en direct. Tu souffres des limitations, je veux prendre des appels en direct. S'il te plaît, prépare mon téléphone pour demain. Et je vais prophétiser. servir de lavement demain et de prophétie. On prophétise et tu laves ta main, on prophétise, tu laves ta main, les portes s'ouvrent, tu laves ta main, les opportunités se multiplient, tu laves ta main, tes ennemis deviennent hommage, puis tu laves ta main, tu avances, ou les gens disent, tu n'avancerait pas. Vous savez, nous avons une seule vie sur la terre. Tu ne vas pas échouer. Tu ne peux pas échouer, ce n'est pas possible. C'est ça que Dieu a suscité des prophètes pour être forteresse Je parle de vrais prophètes, des gens qui cherchent vraiment la face de Dieu pour son peuple. Pour que toi et ta maison, toi, et la maison de ton père et de ta mère, vous en entriez dans votre destinée. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Connecte-toi demain avec toute ta famille. Passe l'annonce et partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais pour que la personne soit bénie aussi. Et comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse demain, 10h, pour une autre édition du service de lavement, demain en direct. Et dites-nous ce qui s'est passé. Demain, je voudrais prendre les appels. Témoignez. Quand vous avez lavé les mains, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous votre histoire et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ Shalom bye.